Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision d'affaires, qui a un plan qui est bien défini. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'ouvrage. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un peu comme un chef d'orchestre, qui est capable de voir de haut, qui a une vue d'ensemble sur les problèmes à venir, les problèmes passés. C'est ça un entrepreneur pour moi. Ouais. On est-tu vraiment, comment je dirais, conscient de ce qui va nous arriver quand on l'entreprend? Pas autant qu'on pourrait le penser, je pense. On a une piqûre, on a ça dans le sang, être un homme d'affaires, ça nous trotte dans la tête. Souvent, pour la plupart qui le font depuis qu'on est jeune, c'est vraiment un choix de vie. Moi, j'ai toujours été pas mal entrepreneur depuis que je suis jeune. Et puis, vous savez, faut l'avoir, c'est des défis qu'on se fait. Je pense qu'être entrepreneur, c'est vraiment un plaisir quand on a la fièvre de vouloir. Et puis, moi, je pense que entrepreneur, on est son propre boss. Alors, et puis, ben, c'est toujours des défis qu'on a à vivre. Moi, je l'ai vu comme dire, effectivement, ça prend beaucoup d'heures de travail. Ça, c'est sûr que il faut pas se leurrer. C'est pas juste du 9 à 5. Ça prend énormément d'heures de travail. Puis, il faut aimer ce qu'on fait. En fait, Charlevoix, c'est la nature. C'est un peu pour ça qu'on a choisi de s'établir ici. En fait, l'entreprise familiale est établie dans Charlevoix depuis 50 ans. On aurait pu aller s'expatrier ailleurs si on veut, mais on a choisi Charlevoix parce que, d'abord, il y a la nature, c'est un gars de nature. Ensuite de ça, parce qu'il n'y a pas de trafic, c'est drôle à dire, hein, mais le matin, le bureau ouvre à 8h30, à 8h20, on part, on s'en vient au bureau. Bien, évidemment, Charlevoix, c'est une belle région, et puis quand on va faire du marché de détail, ça va très bien. C'est une région où il y a de l'avenir. Nous, comme on travaille beaucoup avec le marché de gros, distribution dans la province puis les provinces maritimes, on fait toujours face à défendre les distances. Mais quand on a du volume à livrer, qu'on livre à Québec, qu'on livre à Montréal ou qu'on livre à Sherbrooke, d'un coup le camion est chargé, bien, je pense que il n'y a pas réellement de problème avec les distances. Bien, la Charlevoix, c'est, vous savez, implanter une usine de transformation de poissons. On n'est pas en Gaspésie. Ça a été assez dur d'implanter la transformation. Puis ça a été très, très dur à faire approuver par certaines personnes. Et puis, vous savez, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est quand tu as la persévérance et puis... J'avais des bons éléments d'y croire. Il faut y croire, première des choses. Et puis, Charlevoix, ben, ça a été le début. Actuellement, je desserre un petit peu à l'extérieur. On est rendu à Québec, Montréal, et puis un peu dans la province de Québec. Il faut quand même y aller toujours avec les capacités de notre région. C'est bien beau, des fois, de dire on voudrait avoir des grands projets qui créeraient 200 emplois. T'sais. C'est beau, ça. Théoriquement, c'est facile à dire. Mais il faut y aller avec le potentiel qu'on a dans notre région. Puis je pense que, écoute, ce qui fait souvent la réussite à long terme d'une entreprise, c'est de savoir, oui, prendre des risques, mais de savoir doser aussi là, jusqu'où on peut aller, puis quand il faut savoir s'arrêter. Dans notre domaine, avoir des gens spécialisés, c'est assez compliqué de trouver des gens. D'abord, les gens vont étudier dans notre domaine en ville. Ils ne reviennent pas en région. C'est l'exode des jeunes, on le vit beaucoup en région. Ça, c'est le défi à relever de l'avenir dans Charlevoix pour la plupart des entreprises, pas juste la nôtre. Pour toutes les entreprises spécialisées, trouver de la main-d'œuvre qualifiée, ça va être un défi très important. C'est toujours partir avec l'entreprise qui va fonctionner. Et puis, il faut essayer de stabiliser notre marché et puis toujours être prêt à innover puis aller chercher quelque chose de nouveau pour se garder toujours à la fine pointe du marché. On ne peut jamais dire qu'on est assis sur une entreprise qui fonctionne. Il faut être prêt à innover, puis à toujours être prêt à développer des points nouveaux. Les éléments clés, c'est un peu ce que vous venez de dire. Regarde, écoute, je pense qu'il faut d'abord et avant tout être très conscient des possibilités qui s'offrent à nous dans une région comme la nôtre. Écoute, on n'a pas les possibilités d'une ville comme Québec ou Montréal. Puis, tu sais, pour avoir été en affaires longtemps, puis voyager un peu partout, puis rencontrer des propriétaires de cinéma, entre autres, qui sont, que je connais, dont j'en connais plusieurs, autant des petits propriétaires comme nous,
autant des gros propriétaires, autant même des circuits, des gros circuits de cinéma. Puis, gars, je veux dire, peu importe l'échelle, ça revient pas mal toujours à la même façon de penser. C'est capacité, je te dirais même capacité de remboursement via l'investissement qu'il y a à faire, via la grosseur de l'entreprise qu'on veut créer. Dans l'alimentation, Charlevoix, c'est vendeur. Je pense que c'est des produits de terroir de plus en plus qui sont ciblés. Et puis, dernièrement, ben, j'ai ciblé une nouvelle appellation sur mes produits. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les distances. Pas parce que tu es dans Charlevoix que tu es loin. Tu es quand même proche de beaucoup de gens. Tu es proche d'un gros... tes possibilités sont là aussi. Les moyens de transport sont faciles. L'Internet est là pour faire avancer tout. Alors, moi, je pense que c'est vraiment une question de... Si tu as un produit innovateur, les gens vont venir te chercher. Les gens vont venir voir tes produits. Puis sont... Il n'y a pas de crainte à avoir parce que tu es loin que ça ne marchera pas. Aller chercher de l'information, aller chercher des connaissances. Malgré ton goût de faire de l'entrepreneuriat, malgré ton goût de partir en entreprise, ça prend des connaissances. Aller chercher aussi l'aide au point de vue des fois des comptables, des banquiers. Il y a des mentors maintenant qui se font. Puis ça, pas avoir peur de demander de l'aide parce que ces gens-là, ils ont de l'expérience, ils ont des connaissances. Mais le secret, il est là. Il faut vouloir. Puis pas avoir peur d'aller se greffer des ressources qui peuvent nous aider. Mais je te dirais que dans une région, plus particulièrement avec des entreprises qui ne sont pas tellement des grosses entreprises souvent, qui sont plus vraiment des petites PME, le premier secret, c'est vraiment d'être là tout le temps. Il faut que tu t'attendes à être là et à travailler. Parce que si tu n'es pas là pour gérer tes affaires, c'est pas les autres qui vont le faire à ta place. On est toujours à la recherche d'idées nouvelles. Il faut toujours avoir, je pense, un bon crayon dans notre poche, puis plusieurs bouts de papier. Et puis, il faut avoir l'œil ouvert quand on va à l'extérieur. Ce que j'ai à dire à un jeune qui veut se partir en affaires, qui veut être entrepreneur, c'est de choisir un métier qui le passionne. Ça, c'est clair. Si on a un métier qui nous passionne, c'est sûr et certain qu'on va faire, on va se dépasser, on va aller plus loin qu'on penserait jamais aller. Donc ça, c'est bien important d'avoir un métier qui nous passionne. Pour avoir une vie équilibrée, autant dans sa vie privée que sa vie professionnelle, ça c'est bien important. Faut se cultiver, faut aimer lire, faut aimer lire n'importe quoi. Faut être en forme physiquement. Honnêtement, je pense que quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui dans sa tête à lui est mentalement toujours disposé. Prêt à relever des défis, c'est pas quelqu'un qui est endormi, c'est quelqu'un qui est vite. Donc quelqu'un qui fait du sport, dans ma tête à moi, c'est quelqu'un qui va avoir du succès plus facilement que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Professionnellement, un jeune qui veut avoir du succès en tant qu'entrepreneur, il faut qu'il étudie, il faut aller à l'école. Il y en a qui apprennent sur le tas, comme on dit, mais pour avoir du succès en entreprise, il faut étudier. Puis en même temps, c'est d'aller découvrir les forces, les faiblesses des entrepreneurs pour qu'à notre tour, on puisse adapter nos outils, on puisse adapter nos interventions pour aller tirer le meilleur partie de nos interventions sur le territoire, puis aller vraiment découvrir les opportunités d'affaires.